Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis avec Gonzague, Gonzague TV, que vous connaissez, que vous avez vu un peu partout. Pas de suspense. Gonzague, ouais. Ça va? Ouais. Bon, alors, moi je t'ai proposé bêtement un défi en me réveillant un matin sur Facebook. Je t'ai demandé quoi, très exactement? Alors tu m'as dit d'aller à la sortie du bac là. Ouais. Là, elle est à Philo et on va aller vendre les sujets d'histoire géo. D'accord. Donc, évidemment, c'est des sujets à la con. Hein. Donc, okay, les sujets, bon. Ils sont en chinois. D'accord. Voilà. Mais comment tu vas vendre ça? Tu vas montrer ça aux élèves? Ouais, on va montrer ça aux élèves. Et... on va leur dire, écoute, t'as plus 24 heures pour réviser l'histoire géo. Ouais. Et nous, on peut te filer le sujet. Donc, ça se négocie, quoi. D'accord. Donc, je trouve que ton idée est assez excellente. Donc, tout est prêt. Donc, tu vois, là, on a Isma qui va se mettre en position pour cadrer discrètement. Okay. Donc, là, vous avez un peu l'envers du décor, quand même, des vidéos de Gonzague. Alors, bon, t'as un HF. Moi j'ai un micro, j'ai un HF ici. Ok. Voilà, pour prendre le son, comme ça Isma est à distance. Donc c'est connecté en permanence, c'est ça? Et là, j'ai une autre caméra cachée à l'intérieur, tu vois, qui filme par le bouton en fait. Ah, c'est énorme ça! Attends, ça je savais pas du tout. T'as une caméra qui filme par là? Ouais, voilà, une caméra, c'est génial. Tu vois, ça arrive dessus. Donc ici, il y a une caméra. Une caméra qui filme. Et tu vois, en fait, c'est toi qui fais toutes les vidéos de Gonzague? D'accord, donc t'es un peu la face cachée de Gonzague. D'accord. Et donc tu vas t'y prendre comment? T'as des idées de ce que tu vas leur demander? Je vais discrètement, je vais leur dire voilà, ça t'intéresse les sujets, bon, par contre sois discret parce que je veux pas que tout le monde grille et tout. Après je les emmène un peu à l'écart et je commence à leur poser les yeux dans les yeux. Ouais. Et je leur dis écoute, le bac c'est maintenant ou jamais. Tu l'aurais fait toi si on t'avait proposé les sujets du bac? Pardon? Tu l'aurais fait si on t'avait proposé les sujets du bac? T'aurais accepté? Ouais grave. Enfin j'avais déjà tellement des anti-sèches de ouf que ah ouais, j'avais tout le quand j'avais passé mon bac. Ouais. Non, pas quand j'avais passé mon bac. Au lycée, j'arrêtais pas de gruger. Ouais. Mais quand j'ai passé mon bac, j'ai pas grugé en fait. Parce que j'avais trop les boules de me faire. Mais par contre, ça oui, les sujets, attends. Quelqu'un te propose les sujets. Tu vas les proposer à combien? Ben, je vais les proposer à des prix différents parce qu'on va faire plusieurs tentatives. Ouais. Donc on va les proposer à 10 euros pour que le mec accepte. Ah, quand même, d'accord, c'est pas grand chose. Non, mais 10 euros, voilà, c'est pour que le mec accepte, pour qu'il voit comment réagir. Et pour qu'on lui montre les sujets en chinois et choses comme ça. D'accord. Et on va aussi proposer des sujets à 1000, 6000 euros. Et puis on va faire des petites spéciales dédicaces. Je te file le sujet si tu me roules une pelle, s'il y a une bombe. Ah, c'est bien ça. D'accord. Donc, on va voir comment ça se passe. Ouais. Apparemment, là, c'est un lycée, c'est un assez bon lycée, mais les élèves, ils sont à la cool. Parce que moi, je connais de réputation, c'est un lycée où les gens sont à la cool. Donc, comme ça va être sympa, c'est ni trop sérieux, ni trop tendu. Ouais. Donc je pense que. Parce que c'est important aussi qu'à la fin ils prennent ça avec le sourire, qu'ils soient à la cool et tout, c'est important. Et sur une échelle de 1 à 10, la difficulté, ce défi? Alors là, il n'y a pas vraiment de difficulté parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de sécurité à passer, tu es direct dans la rue. Donc c'est du bonheur. Ouais, donc c'est assez simple. C'est assez simple. Après, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont y croire? Ouais. J'en sais rien. Ça marche. Mais en tout cas, sinon, c'est pas un défi très compliqué. Bon. C'est pour ça que ton idée de défi est excellente. On verra. Merci, Gonzague. Bon, on verra si tu réussis. Moi, je me mets pas trop de soucis. Je pense que ça va bien le faire. Bah écoute, on va voir. Donc, par contre, tu peux regarder, mais mets-toi à distance et reste super discret. Et on va se placer. Quoi. Ok. À tout à l'heure. Tu nous fais ton salut à tous? Salut à tous. Je suis Gonzague et il part pour son défi. C'est assez dingue. On verra. Salut à tous.